Je sais pas si le robinet il est allumé. Wow. Ah c'est bon. Hey, on va jongler. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dehors en plein air avec Laurent Swan. Comment ça va? Ouais, ça va. Eh ben écoute, ça va super parce qu'aujourd'hui on va faire plein d'expériences assez cheloues. En gros, on a retrouvé des objets assez étranges chez nous qu'on avait utilisés il y a 5 ans. Bref, maintenant que vous avez compris à peu près le concept, en gros, on a des animaux. C'est quoi ce dinosaure? C'est un stégosaure. Un stégosaure, très bien. Et en gros, on aura plein d'animaux différents comme celui-ci. Pour l'instant, on va juste les gonfler comme on a fait il y a 5 ans. C'est parti, Swan, t'es chaud? Ouais. Bon Swan, écoute, je te laisse prendre une boîte avec un petit gonfleur à l'intérieur. Non mais regarde comme ils sont trop bizarres, un tricératops. Donc là on a des gonfleurs, voilà, donc c'est un petit, une petite pipette. Le truc vraiment étrange par contre, c'est que on les gonfle par le... Bref, on est parti pour gonfler le premier, c'est étrange, je sais pas ce qu'ils se sont dit quand ils les ont créés. Il va exploser, attention! Je crois qu'il va pas très bien. Il y a des airs qui s'échappent. Ça va tricératops? Ah oui, il se dégonfle. Non mais ouais, t'en peux faire une balle en fait. Non, ils sont emportés par le vent. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc là, vraiment, ils vont bien s'envoler. C'est le cas de le dire. Toi, on l'appelle comment? Néo. Je pense que c'est un bon prénom. Écoute, moi, je vais l'appeler Victor. On va en gonfler un autre. Mais il se dégonfle à vue d'œil, par contre, je comprends pas. Oui, faut que je regarde un peu la boîte, là. Je comprends pas trop. Comment passer la boîte, toi? Ah non, en gros, il se dégonfle comme ça. On l'a peut-être trop gonflé. Bon, moi, j'ai ramené tous nos amis. Wouhou, ils sont tous là. Ce T-Rex n'a aucun charisme. Bon, Swan, je te laisse te gonfler, du coup. En fait, justement, j'arrive pas à... Faut juste souffler très fort, Swan. T'as déjà gonflé un ballon? Oui déjà, mais l'ouverture était plus grande. Faut continuer à souffler Swan, souffle à fond. Bon maintenant moi je vais souffler sur le cochon. Allez c'est parti. Ok c'est bon j'ai réussi. J'ai pas réussi, il y a un problème regardez. Donc là tout va bien, tout va bien, tout va bien. Problème qu'il va pas très bien le cochon. Ah. Swan. Attends je lui fais un trou mais il a rien. Il est comme neuf. Non mais je vous l'ai dit, il fait des miracles. Il est invincible. C'est bon. Voilà, la taille normale de Swan. Enfin, il fallait que je fasse à taille réelle en fait. Ah, il est violent Swan. Swan, justement, le principe de cette vidéo est là. On va pas les gonfler uniquement à la main comme ça et refaire la vidéo qu'on a fait il y a 5 ans. Cette fois, on va le faire en mode extrême, c'est-à-dire qu'on va les gonfler de différentes façons. On va commencer doucement avec un gonfleur à main. Mais on va essayer de faire le plus gros animal possible. Bon, du coup, voici le gonfleur. Il est là, le T-Rex de Swan. Je suis désolé, hein, ça va faire mal, hein, ça va piquer. Bon, t'es prêt, T-Rex? Attends, mais ça gonfle pas, on dirait. Ah oui, c'est bon, ça marche là. Non, mais bon, le T-Rex, c'est quoi? Il est nul. Voilà, salut le T-Rex. Bon, alors pour l'instant, c'est un peu un fail. Hein. Non, j'ai cassé. Non, mais j'en ai marre, ça marche pas leur truc. Mais en fait, le trou, il est minuscule, regardez. Il est miniature. C'est impossible que ça rentre, ça peut pas rentrer. Bon, du coup. On a eu des fails, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le gonfler au maximum à la bouche. Wow. Voilà, jusqu'à ce qu'il explose limite. Courage Léo. Oh mais j'ai le portrait de Swan tout craché. Bon alors Swan, là j'arrive pas à faire plus. Vraiment. Mais what? C'est quoi cette tête? Mais what? On dirait une vieille tête Angry Birds bizarre. Regardez la taille du ballon, il est énorme. Allez, 3, 2, 1. Yaaaaah! Oh non, non, vise, récupère-le, Swan, récupère-le vite. Ça vous dit qu'on essaie de gonfler avec de l'eau là? Je sais pas si le robinet il est allumé là. Wow! Oh, c'est bon! Il est allumé. Donc, ce qu'on va faire. Oh non. C'est ça. T'es prêt? Oui! C'est parti! Je crois qu'il va pas aller bien là par contre. À quoi il ressemble déjà comme ça? Salut Swan, ça va? J'arrive pas à le porter par contre, il est beaucoup trop lourd. Mais il est trop drôle, regardez sa tête. On continue Swan? Ouais. Oh là là. T'inquiète pas Victor, ça va bien se passer. Y'a pas à paniquer, t'inquiète. Non mais regardez, regardez. Non, Victor. Victor! Mon ami Victor! Bon, alors l'expérience était vraiment incroyable, mais je suis dégoûté, j'ai revu les rushs et Swan a raté l'explosion. Donc, du coup, là, on va en reconfler un. En fait, c'était lui, Victor, c'était pas le bleu. Oui, c'est ça! Et c'est parti, qui sera le plus résistant finalement des deux? Hein. Allez, c'est parti! C'est une plaque, on finit de gonfler? Ok, allez! T'es sûr qu'il est pas un peu gros là?
Ok, bon, bah il a explosé. Oh non, le pauvre. Bref, c'est parti, on passe au prochain gonflage. Bon, maintenant, on va essayer avec Swan 2. Arrête. Qui est là. Lui, vous voyez, c'est un gonfleur à gonflable. Mais à gonflable, tu vois, donc c'est vraiment le truc énorme. Et on va l'utiliser pour gonfler un petit ballon. Je pense que ça va bien se passer pour lui. Oh non. Oh, mais celui-là, c'est trop la vie, regardez. C'est un pteranodon. Oh, il est trop bien. Oh, c'est plus stylé. On va l'appeler comment, lui? Bérénice. Ok. Je donne des noms au pif comme ça, mais le pont de choc va être vraiment très fort, ça va vraiment aller très vite, ok? 3, 2, 1, go! C'est pas branché! Ça, c'est branché, en vrai. Ouais. Attends, attends, petite erreur. Oh non! Wow! Calme-toi. Oh, j'étais pas prêt! Non, mais c'est allumé par surprise le truc. Attends, c'est. Non. C'est fou, je me regarde. C'est quoi ce truc? Toi, il bouge tout seul. Oh là là, c'était un peu violent, je crois. Wow. Non. Bérénice. Non. Bon, pour le dernier gonflage, on va faire un prank à Swan. Il va pas s'y attendre. En gros, donc là j'ai une vache, voilà. On va gonfler ce ballon avec de l'hélium. Et ouais les gars, j'ai pris de l'hélium. Donc Swan là-bas il fait du trampoline. Et du coup on va préparer tout ce qu'il faut. Et là on va lui passer le ballon. Il va pas comprendre, il va s'envoler, il va dire pourquoi. Ça va être trop trop marrant. T'inquiète pas, tu vas faire un petit voyage dans l'espace. Rien de bien méchant. Non non, j'arrive pas. Attendez, faut que je prenne un autre ballon. Parce que là ça ressemble à du fail hein. Wow. Mais what? Ah, il y a des confettis à l'intérieur. Est-ce que ça va là? Alors voilà. Ah ouais, non mais. Je crois que ça va être un fail celui-là. Hein. Ah, c'est triste de dire ça, mais je pense que ça va être un fail. Hein. Oh non, il est percé de partout, j'ai le seum. On aura quand même réussi l'eau et le gonfler énormément jusqu'à ce qu'il explose. Ça a pas marché, mais ce qu'on va faire au moins, c'est faire un petit prank avec Swan avec un ballon classique. Voilà, bon. C'est moins ouf, mais au moins, ça va être drôle quand même sa réaction. Non, 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 j'ai lâché le ballon. Non, non, non. Je suis débile, je suis débile. On va regonfler un autre, on va regonfler un autre, mais il est parti. A few moments later. Bon, j'ai fini par en refaire un autre. Oh non, mais la galère, hein, c'est pas possible. Hein. On va aller voir Swan. Tiens, voici un ballon. Donc malheureusement, tous les ballons animaux ont éclaté. Oh non, c'est dommage. Donc c'est bien triste, hein. Mais bon, voilà, t'as ce petit ballon maintenant. On se fait une passe, Swan? Ouais, allez, la passe. C'est parti. Toi, tu peux me repasser la balle? Bon, voilà, c'était une petite balle en hélium. Bon, en tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo avec ce petit ballon. C'était bien sympathique, on s'est bien amusé. Moi, j'ai bien aimé ce prank. Bref, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à exposer le compteur des pouces bleus. Franchement, c'est quoi que t'as préféré, toi? L'eau. Moi, c'est avec l'eau. Ouais, l'eau, vraiment, ça devient énorme et tout après les exposes. C'est trop marrant. On espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. En attendant, salut. Salut.